Maintenant, c'est un plaisir pour VOA Creole, la Voix de l'Amérique, pour nous gagner ensemble avec nous. Guy Philippe, qui pour faire un petit parler avec nous, qui a accepté de faire un petit parler avec nous. Nous connaissons, nous avons un confrère, nous, Jacques Nebelizer, qui était déplacé à devant et centre de détention côté de. En tout cas, il est avec nous. Guy Philippe, bonjour, la Voix de l'Amérique a salué. Guy Philippe, bonjour. Dis-nous exactement qui côté vous avez parlé ensemble avec nous et à partir de qui côté que vous avez communiqué ensemble avec nous par téléphone dans le moment. Bonjour, bonjour et bonjour tout le monde qui a parlé tout. Donc, oui, moi là, et à Georgia, dans le camp et immigration. Bon, il y a un centre de détention pour l'immigration, moi j'avais transféré, on va le voir la caillou. Donc, c'est là, moi, bon, je reconnais là depuis la semaine dernière, tout pas bien fini, tout pas bien finalisé. Et qu'est-ce après pour moi, il est parti, et à la dernière minute, je me dis donc que Haïti, et c'est vert pour moi entrer en Haïti. Donc, là, actuellement, je suis censé, c'est en otage de service immigration et américaine, puisque et la loi claire sur ça, que aucun pays n'a pas d'empêcher citoyen de rentrer dans le pays. Il y a six citoyens qui ont décidé de rentrer. Moi-même, j'ai décidé de rentrer, j'ai voulu rentrer, j'ai bâillé tout papier. Donc, il n'y a aucune raison légale pour moi même là otage. Très bien. Avant d'aller dans le détail, ça, dis-nous qui ont les conditions de détention, qui j'en lié. Ou c'est au monde qui lit, puis sauf une puge peine, d'après ça, nous connaît. Normalement, il y a la guerre. Ou c'est au monde qui lit, mais qui peut pas entrer la caille. Mais la condition qu'on y a, qui j'en lié exactement, qu'on y a? Bon, condition que m'y est là, elle n'est pas différente de condition que m'y est depuis 7 ans. Depuis 7 ans, 6 ans et demi, depuis américain, avec le gouvernement corrompu Haïti, et était fait et contre l'eau, il a kidnappé un sénateur en fonction. Donc, on connaît Valérie que, en pile fois, attendez, dans la rue, et Guy Philippe, son sénateur élu. Il n'y a pas de guerre d'abrutissement. C'est parce que Mounio est journaliste qui a dit ou bien il y a intérêt pour le deal, ou bien il n'y a pas appelé ses recherches, puisque selon la loi haïtienne, selon l'article 95 constitution de l'IA, amendé, moi, je suis sénateur en fonction. Parce que l'élection n'est pas faite en retard, et dès que vous publiez le journal officiel, là, dès que vous validez le scrutin, car il y a validé le scrutin, moi, je viens en sénateur en fonction. Donc, depuis le soir, et depuis le cas où est que on paye tout le temps qu'on parle de démocratie, parce que l'Amérique n'est pas bon vers l'eau pour la valeur de démocratie. Respect démocratie, respect la loi. Et pourtant, il n'y a pas hésité à rentrer dans le pays pour kidnapper un sénateur dans le pays, malgré que n'y a aucune loi d'extradition. Il faut reconnaître qu'il faut une deal. Il n'y a aucune loi d'extradition entre Haïti et États-Unis qui permettent que vous fassiez ça. Ce sont des zones, sont bagailles que vous campez dans le pays d'Haïti. Il y a entendu qu'on traité d'extradition de 1904 qui est l'autre bagaille de l'autre crime. Mais pas pour aucun traité d'extradition. Il n'y a pas rien que René Préval de signer avec Madeleine Albert en 1997 réellement. C'est menti. En 1997, il y a aussi un accord de coopération pour lutter contre le trafic de drogue dans l'espace aérien avec la même territoriale. Mais il prend ça, et surtout, on bagaille que Aristide signé en 2002 qui permet pendant un an pour rentrer pour venir kidnapper les Colombiens qui sont en Haïti. C'est ça que Aristide signé ensemble avec les États-Unis en 2002. Il tout prend, malgré que la Chambre n'a jamais ratifié. Il prend, et c'est avec ce bal ça, il y a marché kidnapper Haïtien tout le temps, avec complicité, toute ministre de justice, nous, avec complicité, tout commissaire gouvernement, nous, et avec complicité, toute DCPJ. Donc, moi là, donc moi, depuis 7 ans, sans otage, et au sens, j'ai que le tap d'une Guy Philippe, drogue dealer, Guy Philippe, c'est plus drogue dealer, Guy Philippe, c'est le chapeau haïtien, le pape Escobar haïtien. Et quand on est là, on va dire aucun dossier drogue, puisque ces dossiers ont essayé de fabriquer. Ils ont été venus, ils ont dit que Guy Philippe, oui, en 2000, nous avons des preuves que nous avons arrêté deux bateaux. Et le capitaine nous dit c'est où ils ont été au Cap, ils ont été commandants au Cap. C'est où ils ont été payés pour rentrer, et ils ont été payés le 13 avec le 17 janvier 2000. Alors, le roi dit que premièrement, il dit avocat, premièrement, pas de chambre commandant, dit le Cap. Commandant dit le Cap, maintenant ça, c'était le commissaire là, c'est hier. Deuxièmement, le 13 à 17 janvier, au dîner d'Haïti, dans le bureau, nous payons. Je me rappelle que depuis le commencement de l'année 2000, moi-même, moi, Miami. Et mes passeports, mes copains de Miami, et mes clients qui sont Miami, parce que petit moi, Aïcha, a fait, et c'est Miami. Donc, là, on prend le coup, il change. De trafic de drogue, on a dit, c'est Money Laundry. Money Laundry, je n'ai aucun code. Je n'ai jamais un code qui a un code là-dedans. Mais je dis, on a déclaré que Guy Philippe gagne 3 millions et demi. Et tant qu'il n'y a pas de affaire, il dit, en 2003, on a fait un dernier gros dépôt dans ce banque Haïti. En 2003, pendant que tout le monde, tout Haïtien, qu'on a mis en exil en République dominicaine,
pendant la réussite président, quand nous sommes rentrés dans le banque, après on m'enlève l'argent, et puis nous sommes fait un dépôt. Donc, moi, j'ai fait deux ans, j'ai fait toute loi, on a une limitation, ça veut dire qu'on a un temps pour faire un affaire, parce que c'est en 1997, et j'ai arrêté en 2017. J'ai dit qu'en 2005, j'ai eu un mandat contre moi pour arrêter, et pourtant, en mars 2006, moi, en ambassade américaine, sous invitation, moi, pour avoir, nous, par blague, yo ban visa depuis qu'il est États-Unis à diplomatie qu'on n'a pas eu blague à fugitif. Sous un mandat contre moi en 2005. Mais pour que ça soit fait avec en 2006, un bon ambassadeur sous territoire pour arrêter. Pour montrer que pas de jamais mandat. Son bagage est fabriqué, son bagage est inventé parce que vous ne parlez pas de discours politiquement, parce que vous ne parlez pas de j'aime planter sur question de bataille contre corruption et surtout sur question que Haïti est un État souverain. Et Haïti supposé mettre des stèles. Ok, l'ordi, au Parlement, on va parler évidemment de département d'État, de américain, est-ce que c'est ça? Pardon? L'ordi, au Parlement, et discours, là, on va parler de qui, est-ce exactement? On va parler de l'ambassade américaine. Ambassade américaine. Toute sa victime, c'est l'ambassade américaine, en complicité avec les corrompus, les machins de pays, les capcrasés Haïti tout pareil. Ok, nous comprenons, mais quand même, Guy Philippe, gagné au moment. Et n'a pas les fonti retour dans le temps, époque côté que Aristide est sous pouvoir, où tu prends les armes, où tu apparemment tu as gommé pour renverser Jean-Bertrand Aristide. Et là, il te dit que Américain était d'ailleurs, et États-Unis, Américain, ambassade là, était d'ailleurs, d'après ça, il fait comprendre. Qui joue répond à la perception ça? Bon, bien entendu, en 2004, il y a un mouvement contre Jean-Bertrand Aristide. Mais c'est pas un mouvement que Guy Philippe initié. C'est un mouvement que le peuple haïtien a initié. N'a pas changé. Que nous avons deux Aristides. Aristide qui était plus ou moins bon, qui était vrai son bagage là. Et Aristide pépé que Blanc voulait retourner en 1994, hein, qui pour le rentrer dans le pays, obligé, moi des Blancs, 24 000, 23 000 marines américains, qui président sérieux, qui patriote, qui haïtien, pour le rentrer dans le pays, qui va demander Blanc pour le bal 23 000 marines. Et tout le monde qui t'a bien interprété pour penser que Blanc voulait 23 000 marines, la première mettre sous pouvoir, qu'on toujours des contrôles de l'IA. Donc, dès lors que Aristide accepte de rentrer, dans la condition que Blanc obligé, parce que, en attendant, c'est même élite, la même Mounfayo, ensemble avec le commandement de la médaille, qui va au coup d'État sans sens en 1911. Oui, oui, et c'est raison ça. C'est même Mounfayo, bon coup d'État, qui a même entouré, et puis il y a bonne condition. Déjà, on est condition, donc j'aime bon, ni pour Haïti. Mais c'était notre crainte. On a fait 23 000 troupes étrangères dans le pays, aucun patriote pas fait mal comme ça. C'est ça, c'est pour crainte de. Accepter l'équipe bagaille. C'était peur de l'armée d'Haïti. L'armée d'Haïti, c'était, alors à l'époque, rapidement, on a fait survol ça pour nous retourner dans le présent. Et l'armée d'Haïti, était peur pour ne pas prendre un coup d'État encore. C'est ça qui était peut-être, et d'après ça, le fait qu'on est, qui était raison, en tout cas, en avancé. Pourquoi doit peur pour ne pas prendre un coup d'État? Mais le fait qu'on peut pas prendre un coup d'État, pas avoir le droit pour violer maman loi PIA qui dit aucune troupe étrangère armée dans la capacité de PIA. On préside pas au-dessus de la loi, au-dessus de la Constitution. Et tu es supposé plus qui vaut que l'intérêt n'est pas de qui monde. Plutôt pas président qui peut m'élever, plutôt Aristide pas de jambes président encore. Mais Haïti est une souveraineté. Est-ce qu'on a mis sacrifice? J'en fais nous, fait nous bande hier. Est-ce qu'on a mis sacrifice? Nous fait vie pour nous Haïti grand monde d'être lui. Pour être un seul citoyen, pour ego, ou bien pour ambition, ou bien pour intérêt, pour violer tout mon seul jour. Bien entendu, nous ne sommes pas d'accord, coup d'état, on est dans la main, son bagage est sans face. Son bagage est sans face. Et nous pensons que Aristide a été changement. Okay. C'est Aristide Pépé au voté pour nous, qui change. Oui, mais on a tout blanc, ça a quand même un tournant, obligé, si on sait qu'il essaie de bagarre, ou changer en 1994, en 1994, vers la Paris. À Paris, on s'y a signé de bagarre pour Aristide Pépé. Et c'est là, Aristide Van Nomni, le Van Béia. Donc, il est obligé de faire ajustement structurel. Et sans ce que vous faites là, vendre toute compagnie qui est capable de Haïti, vendre toute bagaille, que le Téléco, que le Cimenterie d'Haïti, que le Emaol, toute bagaille, blanc pour la possession. Le système bancaire haïtien prend force, et même le président Aristide qui t'a parlé pour changer le système, pour retirer cette élite pourrie, ça, qui a crasé Haïti depuis trop longtemps, pour nous être une banque populaire haïtienne, il prend toute bagaille, c'est prêté avec ça au COB, encourager à faire importation abusive. Tu lui, on sait bien avec une cape produite en Haïti, et une pays, je dis à là, à genoux. Souvent, il y a une indépendance économique, ou pas qu'il y a une indépendance politique, ou pas qu'il y a une souveraineté encore, parce qu'on dépend trop des Blancs. Donc, le Haïti doit commencer à faire du gang, il commence à faire du pied. Il a organisé une élection en 2000.
L'élection était supposée faire d'abord en mars 2000. Mais la famille Lavalas pensait qu'elle a perdu face à Moukéel. Nous avons commandé au Cap, nous avons commandé dans le Nord. Même deux ministres ont élu commissariat au Cap. Parce que vous voulez écraser. Vous voulez écraser l'élection. Vous voulez le commissaire septième, là le septième. Nous sommes vivants toujours pour parler pour mener enquête. Et nous avons dit que tout ça m'a dit là, c'est vérité. Ok. Et au moment donné, pour nous sauter du bureau électoral, là, parce que les policiers que nous. Allô? Non, là, nous là. Allô? Oui, nous suivons, nous attendons. Allô? Oui, nous attendons très bien, Guy. Nous recevons 5 sous 5. Nous attendons. Oui. Mm-hmm. Et à partir de que nous sautons du bureau électoral avec trop de policiers que nous mettons pour faire sécurité. Et là, nous disons, non, pas rien de comme ça. Et en fin de compte, on est s'actualisé avec Ronald Kaga, avec le commissaire Nou. Et il choisit ici droit précisément qui pourrait faire que divorce là est consommé et m'obliger à l'exil. Ok. Alors. Oui, oui, n'absuivez-vous. De l'exil est temps. Société haïtienne a eu des problèmes. Manifestation chaque dimanche. Pays a bloqué. Blanc bloqué pays a parce que après l'élection, l'envoi en mars 2000, ils ont organisé l'élection en mai 2000 côté partisans et équipe Aristide pour 99,9%. Parce que tout siège, tout magistrat, tout casse-vec, tout avec, tout député, tout sénateur. Vous comprenez ça? Ok. Ils ont mis Haïti sous sanction. Haïti n'a pas fonctionné. Manifestation chaque dimanche, Haïti bloqué. C'est comme ça que la société civile haïtienne, ensemble parti politique, pays à groupe parti politique, élève l'école, étudiants, fait délégation, vin côté de Saint-Domingue, pour m'aider à me faire plus plaît, aider eux. Mettons fin à des autres. Parce que vous connaissez que nous avons influence et dans la police et dans la question ancien militaire. Ah bon, vous pensez que nous avons fait. Ah, donc, vous dites, parce que, en rappel. Pour nous battre, pour nous changer ce structure, comme promettre yo, que nous ne prenons aucun pouvoir à la faveur de coup d'état militaire. Moi, je dis que je ne vais pas faire que je prends pouvoir si je ne bataille parce que je ne vais pas battre pour pouvoir. Je vais battre pour le pays. D'accord, Guy. Malheureusement. Guy Philippe, reste avec tout nous. Tout le monde qui venir là, il y a même des intérêts par eux, il y a des projets par eux. D'accord. Moi, je suis assez naïf pour me penser que réellement, vrai, nous avons fait Haïti, c'est pour Haïti, notre bataille. Et on voit que le 29 février, Haïti va aller. Depuis 1er mars et 2 mars, même le monde qui a vu côté de même le monde qui a agenou dans le pire de c'est un copain d'assassiner Guy Philippe, tout y est Guy Philippe, comme Guy Philippe vient l'argent pour faire bagaille ça, comme Guy Philippe vient les âmes, comme Guy Philippe tout bagaille, et c'est comme ça. Tout sortant de demain, c'est de là ça vient. D'accord, nous voulons quand même gagner une précision là. Évidemment, nous faisons un petit rappel, oui, nous avons pour le monde, nous voulons une petite précision là. Gim Devemando, en nous précis, et nous font un rappel rapidement au terre Dominicani, le ça. Donc, vous dites qu'il y a des gens qui viennent beaucoup tôt, un secteur qui vient beaucoup tôt. En précis, pour l'histoire et la vérité. Qui est-ce? Dis-nous qui est-ce? Pour l'histoire et la vérité, qui est-ce? Ensemble parti politique, yo. Ensemble parti politique haïtien, vous devez être dans l'opposition. Et droits humains, en pile organisation droits humains. Okay. En pile gros figure qui n'a vie nationale, la politique nationale là. Groupe élève l'école et étudiants, donc vous représentez un feu au sein de mouvement étudiant. Donc tout le monde est venu, tout le monde est chuté avec. Ok. Et moi-même, je ne vais pas dire ça parce que je vais faire mon mal. Même quoi, c'est au contraire, c'est content que vous êtes content que au moins le pays est en danger et vous prenez responsabilité et associez aide et organisez. Donc, il y a des vignes beaucoup de pour qui ça exactement? Évidemment, on remarque qu'on n'a pas cité le nom. Bien entendu, on connaît depuis les crues de Vertière, mais que tu commences à organiser une équipe de manifestation chaque dimanche, chaque matin, même manifestation, pas qu'à pot de fruits. Ok. On y a bon de côté, je ne sais pas qui les manifestations sont faites. Il y a battu, il y a bon épicé sous yo, il y a crasé les manifestations. Ou changer l'équipe de bagage, là où il n'y a pas qu'à jouer. De songer que tu gagnes un commandant Guy Philippe dans une équipe commissaire qui est en exil, de songer que nous avons influencé dans l'armée et dans la police, ils viennent côté nous. Okay. Et ils m'ont dit, tant pis, à l'équipe, ils viennent aider, ils mettent fin à des choses. Pas oublier que Haïti est sous sanction. États-Unis et communauté d'agents ont dit qu'ils ne reconnaître l'élection à Haïti en 2000. Oui, oui. Pas oublier qu'ils ont été dans le moment ça. Nous comprenons ça. Ok, non, nous. Oui, nous songeons ça. Ils ont été à bout. Et puis après, il y a un débat coopératif, côté tout petit, comme malgré, c'est bien, il y a perdu. Donc, moment de bon pour eux, ils viennent côté, ils m'ont demandé aide, et ils m'ont dit pour Haïti, pour le peuple, je fais ça, je vais abandonner tout ça, je vais abandonner la famille pour ma bataille pour Haïti. Et ils sont là, ils vivent toujours.
ne pas demander un rien pour moi. Je suis demandé pour retourner avec force armée d'Haïti et je suis demandé pour créer conditions pour améliorer la vie des Haïtiens. Et je te promets, je ne sais pas si tu as des paroles. Je ne sais pas si tu as paroles. Mais je ne pas chercher qui a des pouvoirs, ni prendre pouvoir, si Haïti d'aller, parce que moi-même, c'est mon bien de l'examen avec moi. Moi, je dis, je ne sais pas. Yo même yo pa kembe parole yo anvin. Yo même c'est eux même qui vin peur parce que yo pense que Guy Philippe ka kembe pouvoir parce que la tradition générale victorieux qui fait kembe pouvoir. Même te ba mom, y a moun sa pa kwen nan mo. Nous comprenons mais Guy Philippe ou c'est kwen nan mo. Oui mais OK, ou alors évidemment ou pas identifié eux, nous par contre pour qui raison, pas dit qui est sur eux, même vrai quand même. Sur les classes politiques. OK. Pas pour les anciens premiers ministres qui a pu me poser une question. Y a les Paul Denis, m'a dit est-ce que m'a ba menti? Le groupe de Tidjaro, Ou pas armé par les Américains, ambassade la pas pas quoi pour nous dire. Ça pile fois entendre monde dire oui, c'est blanc qui veut dire Philippe bataille. Comment on va en Haïti? Comme si pour une bataille pour pays, changer pays, ça c'est blanc. Donc et tu sais que là, il y a ces blancs qui me dit dehors. Vous faites arriver quatre ces blancs qui me dit dehors. Dit Philippe parce que t'es bien blanc, dit Philippe. Son commandant de, ils ont gros commandant en Haïti dans la police, ils ont contact avec toute ambassade, avec toute commandant et je dis encore toute commandant de l'ambassade. Mais question que blanc, ni blanc, vous voyez. Et puis, ni blanc d'avouer ma bataille. Et puis, parce que Haïtien est tellement vintage, du confiance en tête, pour lui-même, tout ça, on est fait, faut que c'est blanc qui cape d'elle. Moi-même, moi, dis, et me signe d'elle, m'a dit, aucun monde qui bombe l'ordre pour ma bataille, c'est moi qui décide la bataille. Ok. Moi, chef, peut-être, moi. Je pas de chef, je pas de maître. Moi, dis, et me dis, vous capez d'elle, ça me dit, alors, ça, nous voulons quoi, quoi. Ce monde pour lui-même, la petite personne, la lâcheté, parce qu'aucun n'est pas gâché à la fin de 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 la fin. D'accord. Kounia là, nous te font un rappel du passé, on vient dans le présent. Donc tout ça ramène à tout. Ok. Jean-Jacques Dessalines lui-même, qui ne va pas payer. Pour te sauver Haïti, c'est même le pays qui met 30 000 âmes. Ok. Monsieur, il n'y a pas de l'histoire, mais il n'y a pas de comprendre que l'histoire. C'est ça. Il y a un peuple pour sortir dans sa vie. C'est ça. Donc, en nous retournant dans le prison, Guy, où tu prends les âmes, voilà que je dis, bon, nous connaissons dans quelles conditions que tu viens d'arrêter. Là où tu es arrêté et où tu es sorti dans l'émission radio. Non, il n'y a pas arrêté, mais il y a kidnappé. Ok, d'accord. Alors, dans le moment ça arrivé, où tu es sorti dans l'émission radio, tu es débarqué, tu es mis main sous nous dit, tu prends, tu es avec un aéroport, bon, tu as une photo qui a circulé. Qui ça a eu exact? Qui ça a eu pour quelle raison tu es venu faire ça? Qui ça a eu même personnellement? À travers de l'ordre là, il y a tout le monde, la manière n'est pas liée aucun loi. D'ailleurs, premièrement, je pense que c'est son kidnapping. Franchement, je pense que c'est vagabond, comme sénateur, puis il y a de l'argent. Ok. C'est ça, le premier que je pense. Après, moi, que mon machine, que je suis dans les DCP ici là-dedans. Et ensuite, les DCP ici, je me suis dit, il y a la pression dans la croix, mais même dans la prison que l'ambassade américaine vient. À force de dire l'ambassade américaine dans la prison, moi, je me suis dit qu'il y a une prison en Haïti. Okay, dans le local building ambassade américaine en Haïti. Exact. Non, non, son bon qui était, mais j'ai été bouché. Donc, je connais. Mais, moi, connais, le montré ouvert, son cas est blanc mieux et moins que c'est dans la zone côté où a laissé que je connais pour les faire. Et tout d'abord. Ok. Ok. C'est dans le building, c'est dans le cas qui est en face ambassade américaine. Le cas là, mais c'est pour ambassade américaine. Donc, c'est dans la prison, ça me dit. Je ne parle aucun juge. Aucun monde, au nom de la loi, dans non-démocratie, dans non-la-loi, mais il n'y a pas de mettre dans l'avion sans que je ne me défende des mains, sans que je n'ai aucune procédure faite que vous voyez les États-Unis, soit disant pour les bénéficiaires, pour les crimes qui ont reproché. Ok, mais pour qui ça? Pour qui ça exactement? Il n'y a pas de aucun motif que vous dites ça? Il n'y a pas de jusqu'à demain, deux, trois jours, l'avocat me dit, et puis il dit, mais, vous dites. Jusqu'à présent, je ne m'ai pas parlé, avant, il n'y a pas de dire rien. D'accord. Et vous êtes. Quand il est arrivé dans le tribunal là, il dit mais qui ça reproche.
Oui. Et vous avez expliqué. Vous avez expliqué, c'est ton question. De drogue arrivé avec ça, oui, money laundry. De drogue arrivé avec money laundry. Oh oui, que n'est-ce que c'est de bon comme. Qui ça au fait? De mettre en bagage, il y a des conspirations, ici, aux États-Unis. Et puis, il y a les 6 nègres ou des 7 nègres qui sont en prison, ils ont dit, OK, on a pris du temps. Si on dit oui, quand on a dit Philippe Cobb, on a retiré 2 ans sous. Ah bon, mais qui ont fait contre ça? Qui, mais qui Philippe, qui ont fait contre l'information ça? Qui ont fait contre ça? Parce que avocat, expliquez-moi que je ne vais pas gagner. Avocat, il vient à plus parce que l'on a un jugement. Vous avez dit le discovery, vous avez dit faut que bon, qui ça regarde avant, mais qui est-ce qui accuse? Ok. Il y a un journaliste qui a accusé pour question de money laundry. Je ne connais vraiment. Il y a un journaliste qui a dit qui est-ce qui a accusé? Avocat, me dit que ça n'est pas important. Depuis 2-3 mois, ça a dit oui, nous sommes au COB. C'est vrai, parole, contre-parole, prosecutor, il y a condamné. Ok, nous comprenons. Non. Parce que les États-Unis, c'est jurisprudence américaine. Ce n'est pas une loi qui est basée sur les questions romano-germaniques. Il n'y a pas besoin de preuves pour nous condamner. C'est le seul pays qui a condamné un innocent. Et le lobby, ça n'arrive pas moi seulement. Non, c'est des milliers de jeunes qui ont fait pas. Et ça. Oui, très bien. Au nom de la démocratie, au nom de la justice, au nom de la loi. Très bien. Donc, 5 à 6 systèmes de justice aux États-Unis. Très bien. 5 à 6 noms. Nous ne pas trop connaître nos noms. C'était des noms haïtiens ou bien étrangers? Des noms haïtiens. C'est ça, la République. Oui, c'est pas beaucoup de bagaille. Vous prenez Kokaba sur pays. Oui. Très bien. 10 cents. Vous avez tout nom. Regardez. Vous avez nom, oui. Très bien. Et de là étant, ou pas trop. C'est bagaille publique. Oui. Pas rien caché là-dedans. Vous avez aller taper pour avoir tout bagaille même. Oui. Ils ont dit que oui, il y a 3 millions et demi. You have 1 minute remaining for this call. Je me connais mes 200 000 dollars. Bon, pas comme ça. Ok. Qui doit là? Haïtien, le monde est assis à Haïtien en Amérique. Quand les jeunes bagages ont sauvé bandit en 2003, ils ont déposé pour la gagne. En 2003, en exil. Quand ils ont des jeunes, ils ont mal sauvé bandit. Ils ont mal déposé pour. Qui a investi? Je ne sais pas si Haïtien a son joueur d'idée. Il a rentré une déposée comme en 2003. Donc, c'est une blague. Mais que tu fais frapper politiquement, je frappe. Ok, et puis de la sentence sans tomber, et puis vous faites tant qu'on fait dans la prison là. Mais on fait moins de temps que vous te prévois pour te faire. Vous faites moins de temps quand même. Pour qui ça? Il fait tout le temps. Il faut qu'on est selon la loi. Vous ne faites pas tant au bon. Si vous êtes 9 ans, vous faites 85%. Ok. Ok? Ça, tu es à la gueule à 7 ans et demi. Et puis, le président Trump vient de signer en 2018, c'est le first step. Et donc, il y a l'argent, vous voyez que vous avez l'argent sous compte en banque en Haïti. Vous avez joué de l'argent, ça? Non, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Ok. Si j'ai banque pour l'équipe papier, il n'y a pas bien là, dans l'archive. Côté, il y a toute transaction fait. Toute transaction, depuis que je suis commandé dans la police, là. Il y a payé 15 000 gouttes. 18 000 gouttes, c'est comme si vous voyez comme si c'était 15 000 dollars, c'est comme si c'était 18 000 dollars. Parce que l'échec m'a été déposé sur les banques. J'ai changé pour vous rapport à Biden. C'est comme si c'est. Au lieu de 15 000 gouttes, c'est 15 000 dollars américains. Au lieu de 18 000 gouttes, c'est 18 000 dollars américains. Ok. Vous convertissez en américain, alors. Vous mettez dans l'américain. Quand vous voyez un changé banque pour acheter ce papier pour moi en Haïti, vous me voyez à dire un changé banque qui a demandé de t'écraser, vous perdez ce papier, vous ne pouvez pas dire ça. Ok. Quand vous voyez une banque américaine pour dire comme ça, vous ne pouvez pas dire que 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 à l'époque. Okay. Et comme ça, par exemple, comme ça, au soudé. L'homme va au côté, puisque, bon, ça, c'était First Union Bank, il dit, va exister encore. C'est Wakovia Bank, il était vendu. L'homme va au Wakovia Bank, il va pas exister encore, il dit qu'il y a ces Mutual Washington, pas qu'on a pas comme ça. Ok, nous comprenons. Et puis, l'homme va au dernier banque, il dit, il y a un banque, il dit, bon, 8 ans passé, il n'y a pas d'aucun archive. Son loi fédérale, il n'y a pas obligé par archive. Ça veut dire qu'il y a une capacité pour me défendre. Ok. Donc, finalement, et à partir de accusation. On m'a dit le prosecuteur, on m'a dit ça. Il fait fabriquer évidence, on m'a dit dans la zone. C'est fabriquer ou fabriquer. Tout c'est parce que on va aller discours. Tout c'est parce que on va aller agir devant eux. Nous comprenons. Et tout, on va obliger à agir devant pour nous collaborer. Nous pas collaborer à vous. Si ça a demandé notre intérêt, peuple, nous dit. Si ça a dit, c'est pour les Haïtiens là-bas, on va collaborer à vous, on n'a aucun problème. Nous tout ça qu'a fait, c'est dans l'intérêt peuple, dans l'intérêt petit, dans l'intérêt fait dans la corruption en Haïti. Très bien. Ok, Guy Philippe, on vient sous moment qu'on y a là. Je dis, ou encore une fois,
et non conditions comparées mais puisque ou libéré ou fin fait temps ou saute parler ou purger toute peine nous ou besoin retourner la caillou dans moment là que n'a parlé là ça faut pas qu'on retourner la caillou exactement oui il a dit ça que le bon peine ou fait 85% de 85% président Trump en 2018 signé il dit si tu es en prison pas bataille ou pas faire violence sur pas bagarre il faut que retirer un an sous moi quoi donc retirer un an avant sous moi qui fait 26 ans et demi. Il était supposé la gagner depuis 7 mars 2023, selon sa présidente Trump, si hier. Il la gagne 7 septembre, 6 mois après. Donc, nous sommes tout le temps, légalement. Je dis à la venue d'immigration pour aller en Haïti. Normalement, soit bataille, quand l'immigration est en Ebola, 90 jours, bagaille, pour bataille souveraineté aux États-Unis. Moi-même, depuis le premier jour, je suis venu ici, je me dis que je ne vais pas faire un second aux États-Unis. Voyez Haïti. Le bon 14 jours, normalement, le bon me dit que tu as réfléchi, souvelé, pour voir est-ce qu'on vient à Haïti. Moi, je dis que je retire le droit ça. Le droit 14 jours à retirer pour me voir Haïti aujourd'hui. Parce que Haïti a besoin d'aller. L'immigration, il y a une loi qui dit, une fois que je viens ici, je vais faire tout papier, je vais faire tout papier, je vais prouver que c'est Haïtien. Je vais faire passeport, je vais faire tout ça, on m'a dit. Je connais que c'est Haïtien. Loi immigration a dit qu'il y a 21 jours pour ouvrir ma vie. Parce que moi, je voulais aller, moi, je n'ai pas aucune raison pour que je suis en otage toujours. Et mes 21 jours arrivés, je suis en otage. Je suis en liste pour aller. Je suis en liste pour aller. Je dis non. Le gouvernement ici a dit non. On ne va pas rentrer en Haïti. Moi, je dis que l'immigration, ça, c'est bluff au bal parce que qu'on est. Le gouvernement haïtien n'a pas possible d'entrer en Haïti parce que la loi internationale, la déclaration universelle des droits de l'homme dit que l'État, aucun chef d'État n'a pas empêché un citoyen d'entrer dans le pays. Malgré tout, il n'y a pas de problème. Illégalement, il y a lorsque la situation, côté États-Unis d'Amérique, qui dit qu'il est champion de démocratie, champion de respect de la loi, entrer dans le pays, il kidnappe comme sénateur et en fonction. Là, on a créé le pays où les États-Unis sont d'accusation sur nous. Là, on a créé le pays où les fabriqués malgré que l'évidence n'a pas montré qu'on était comme. Là, on a créé une immigration dans la prison. Pour se dire qu'on est bon là, illégalement, l'histoire pour nous connaître là-haut, c'est physiquement le besoin d'éliminer. L'histoire, pour nous, c'est otage, on a créé le pays où on a créé le pays où comment vous éliminer physiquement. OK, mais avant Guy Philippe, est-ce que juste avant un moment, est-ce que tu joins quand même papier dans main et gouvernement haïtien, ça veut dire les feuilles de route ou bien papier qui vous permettre ou documentation qui vous permettre. Moi je n'ai pas les feuilles de route. D'ailleurs bon, pas besoin de papier pour Haïti. Vous comprenez ça? OK, oui, nous comprenons ça mais c'était si tu as pas besoin de papier pour rentrer dans le pays. D'accord, mais tu t'ai demandé quand tu parles avec American Airlines accepte pour recevoir un ancien passeport. Dans la JetBlue déjà accepté pour recevoir un ancien passeport. C'est la loi, c'est la loi. Vous m'avez dit non. Et dans le pays, il m'a rentré. On va me prouver que c'est Haïtien, il m'a rentré dans le pays. Et malgré tout, il faut tout le truc. Tout le papier. Il n'y a aucun papier. Et l'immigration aux États-Unis lui-même, il a accepté le 13 septembre. Il a écrit, il y a là, sous le bagage. Il a dit, Guy Philippe, quand on l'a complet, il n'y a aucun papier manqué. Mais ça va faire ici. Ok, justement, c'est la grande question qui soit faite, pour qu'il ne soit pas qu'entré. Maintenant, ça va vous dites. Eh bien, seul réponse que c'est que nous devons parler à l'Haïti, nous devons éliminer parce que nous pensons comme son problème pour se faire pays. Maintenant, on dit dans les coulisses ici, dans la prison, que oui, on dit comme son problème pour sécurité intérieure Haïti. Quand on dit qu'il y a un problème pour sécurité intérieure Haïti, est-ce que c'est moi qui empêche les citoyens, ceux qui ont besoin dans le Nid, dans le Sud-Est, dans tout côté du pays, dans le Sud, pour être en Ouest? Est-ce que c'est notre bien que des responsabilités pour me battre pour la sécurité, pour qu'on soit dans la Tibonite, pour être pour un président de bagaille, en toute quiétude? Est-ce que c'est moi qui fais élève l'école, bagaille l'école? Est-ce que c'est moi qui fais monde qui travaille l'église? Est-ce que c'est moi qui fais monde qui travaille le travail? Est-ce que c'est moi qui ai bon pouvoir sous son président Jovenel? Comment c'est moi qui ai un problème pour la sécurité intérieure du pays? Parce que moi, je suis pays, parce que moi, je suis dans le pays, parce que je ne veux pas agir devant aucun monde, même si je ne veux pas rosal pour Bobo, je ne veux pas faire ma genou, je ne veux pas agir devant aucun monde. Nous comprenons ça. Maintenant, information qu'on dit que c'est le gouvernement haïtien qui ne veut pas entrer. Hein? Information ça, est-ce qu'on a aucune documentation qui prouve vraiment? Est-ce que c'est vrai? Ça veut dire? Ah non, il n'y a pas aucune documentation. Nous, on dit que le gouvernement haïtien n'est pas d'accord. Et ça, on dit, nous, on dit, même. Oui, c'est le gouvernement qui n'est pas haïtien. Ça, c'est des bagailles.
qui ça gouvernement haïtien y est sinon que on ti marionnette que américain mette là. Son gouvernement pas de légitimité, qui pas basé aucun côté. On va venir n'a pas de la loi. Comment c'est là? L'île là seulement parce que les États-Unis a quelques pays qui les requêtent aux pays amis d'Haïti, vient là. Tout ça qu'on fait, c'est parce que les États-Unis avec la France et notre côté ont voulu ça en Haïti. Tout problème de sécurité là, c'est notre nom de chef de police, c'est notre nom de ministre, c'est notre premier ministre, c'est parce qu'ils ont voulu des autres affaires en Haïti qu'en Haïti, pour être même dans la logique de l'accepter que tout Kenya rentre dans le pays. Et puis on vient continuer à faire tout le lave ce pays. Oui. Mais on connaît présentement, peut-être nous avons parlé et nous avons vergé plus moins. C'est pour ça là. C'est pour conviction politique, et c'est peut-être parce que nous disons moi-même, nous ne pouvons pas prendre l'ordre. On finit, on va prendre l'ordre, on va pas jouer, on va prendre l'ordre. Soit tout le monde. Pour qu'il soit dit ça, où sens-tu menacé, Gautoyer? Bien entendu, on est tout petit matin, on est tout petit en otage, c'est au cas de manger. N'importe ça, on va manger là, on va mettre un poisson là dans lui. Ça va m'empêcher. Tout le monde qui va venir défendre. Oui, mais est-ce qu'on mange? Mais Gautoyer, là, est-ce qu'on contrôle la presse? On contrôle la presse. On va pas bon. On connaît. On contrôle le feedback. On contrôle le gouvernement. Qui est capable de nous pour moi? La religion haïtienne, c'est seule nation là qui va capable de pays. Mexicain, Honduras là, et Nicaragua, et Venezuela, il y a toutes des possibilités pour aider les pays, sauf haïtien. On va faire 0,59 là depuis que j'ai changé Jésus-Christ, tout le monde là en Haïti. Chaque semaine, on construit nos villes dans la ville, on va dire qui ça gagne, qui problème. Nous qui sommes aux États-Unis parce que nous ne sommes pas construits à Haïti. Donc, qui est fait à Bano? On va jouer un représentant du gouvernement haïtien pendant qu'on est en prison et peut-être dans un moment là. Chaque fois, on va dire que chaque fois, on va dire que je ne parle pas avec, on ne parle pas dans le téléphone. On sent peut-être que c'est son poison, c'est son piège. Parce qu'on n'a pas aucune raison pour les États-Unis là. Nous sommes otages, nous sommes prisonniers politiques. C'est ça lié. D'accord. Donc, on va avoir aucun représentant du gouvernement pendant là, dans un moment. Qui gouvernement? Non, Manu, est-ce que vous pas prend contact avec? Ce pas vini? Non, je ne sais pas exister là, mon cher. Le représentant de tout le pays vini chaque semaine. Quand on parle de représentant Haïti, on a un petit peu blanc. D'ailleurs, là, il y a un consulat Haïti. C'est parce que c'est un député, c'est un sénateur, parce que c'est un ménage de gauche, c'est un petit jeu. Il y a un vini qui a un vini qui a un problème. Ok, nous comprenons. Maintenant, Guy Philippe, on parle de qui recours qu'on gagne dans ce moment-là. Est-ce que avocat, est-ce que vous êtes avocat? Oui, actuellement, moi, j'ai plusieurs avocats sur le camp. J'ai trois avocats sur le camp. Donc, j'ai un avocat qui fait depuis une semaine que Aïs m'a répondu du tout. Pour moi, pour qui ça me l'a, pour qui ça a fait ça, on fait. Hein? Mon deuxième avocat est Californien, qui fait aussi, supposé déposer un emergency complaint pour Aïs. Pour moi, pour Aïs, devant la justice politique, pour qui ça me l'a, toujours. Parce que légalement, pas lui là. Et puis, ensemble, il y a un pour nous écrire le gouverneur d'État, Brian Kemp, pour nous dire que là, en dedans d'État par là, mon prise d'otage fait. Parce que c'est otage, moi, là. Moi, je dis, si on va gagner place dans l'avion, si on va gagner bagage dans l'avion, on m'a payé ticket. Et m'a payé frais pour deux agents immigration menés dans l'avion, en janvier, pour m'entrer dans le pays. Mais qui fait un besoin encore? Ok. Qui plan yo, qui projet yo? Et qui sa yo répond nous? Je ne sais pas si je réponds moi. Projet moun sa yo, c'est mettre pied sous cou, bonne pression, craso pour mettre dans une situation plate, après pour venir mettre ça pour faire son débat. Ça va faire avec moi-même. Je vais vous arriver au bout encore une fois pour tout le monde qui veut l'étendre. Ok, donc condition là, et jusqu'à présent, on doit obtenir des matchs ça au fait. En attendant, et ou toujours dans la prison, ou incarcéré, ou bien ou en liberté, Kotoye? Soit disant pas prisonnier, selon eux-mêmes. Soit disant sinon que tu as immigration, je ne suis pas prisonnier. Mais qui fait que je ne suis pas prisonnier si je ne suis pas sorti, si je ne suis pas fait ça, je ne suis pas fait. J'ai la loi, dis-moi là. Ils ont violé le 14e amendement de la Constitution américaine. Qui dit que vous n'avez pas le droit de jouer avec liberté et freedom dans le monde. Ils ont violé toute loi internationale. Qui dit que vous n'avez pas le droit d'aider là? Je ne suis pas prisonnier, comme je ne suis pas prisonnier. Nous comprenons ça. Pour ne pas sortir, ne pas faire rien, ne pas aller dans le pays. Pour ne pas prisonnier, il faut aller en Haïti. Et si on va payer l'avion, mettez-le dans le pays, il faut aller en Haïti. Ok. On a fait des spéculations, perceptions toujours. Est-ce que ce n'est pas parce que justement. Non. Des spéculations. Non. Vérité.
Non, m'a parlé, non, question m'a posé, m'a dit que c'est cap spéculation ou bien perception que lié, c'est question en lui-même qui compte ça. Et gagne quand même des monde qui pensaient, et là, en analyse ensemble, m'a permis de faire analyse ça, et qui soit répondu à analyse ça. Jusqu'à présent, on connaît que Jean-Bertrand Aristide souterrain en Haïti, et il y a des secteurs, il y a quand même des secteurs d'influence en Haïti. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est secteur d'influence ça qui fait que le gouvernement haïtien, comme on dit tout à l'heure, n'a pas d'accord qu'on entre en Haïti? Qui joue où elle? Tout le monde connaît que le gouvernement haïtien actuel, la première conseillère, c'est Jocelyne Brière. Tout le monde connaît que le problème de Jocelyne Brière en 2004 pour qu'il se massacre la Syrie. Tout le monde connaît que Jean-Michel a organisé le kidnapping pour vous voir là. Donc, tout le monde a été témoin pour me penser que Jocelyne Brière est le chef et politique de Jean-Bertrand Aristide, par la peut-être gourmet dans sa capacité. C'est un mec politique, c'est politique qu'il fait, et je me suppose que c'est lui-même qui a fait politique, et il n'y a pas d'arrêt que nous entrions. Ne pas oublier que l'autre secteur aussi peur qui t'a avec nous entrer. Mais qui fouet, mais on a là, chapitre Caribe. Vous pensez que vous voulez entrer? Vous pensez que vous voulez me dire la vérité? Mais qui fouet, mais on a là, chapitre complémentaire. Là, qui groupe, qui élite national et international qui vole l'argent complémentaire? Vous pensez que vous voulez entrer pour venir lancer avec bagaille et bataille contre la corruption? Je suis pas là pour faire mon. Organiser une sécurité dans le pays. Si on organise une sécurité dans le pays, il n'y a aucune raison pour ne pas avoir une sécurité dans 2-3 mois. Mais on va d'accord, on va dire, il y a un armée dans le pays, il y a un volé dans le pays. Il y a des conditions pour les jeunes garçons et les jeunes filles tout le temps à vivre dans l'âme. C'est exprès, c'est un plan qu'on a là pour nous tourner pas capable. Il est dépassé par les événements, volé l'ONU. Quand vous avez volé l'ONU, c'est pas pour venir des pays haïtiens, non? Aïe, là, il y a c'est 4 000 dollars américains qui ont touché par mois. C'est pas rien, il y a bien fait Haïti. Il y a bien là, puis il y a protéger ce qui court. Pour protéger ce qui a fait l'ONU, fait plus que 70 missions dans le monde. Où j'entends la mission l'ONU, il est ici. Où j'entends des raids dans le pays. Oui. Et dans le moment. On fait déjà en Haïti dans les derniers 30 ans. Où j'entends l'aide à Haïti, 400 000 dollars, ça y est, il y a des séries, il y a bien 500 barons pour n'être pas un. Où est-ce qu'on a été investi dans la production? National, non? Ou à quoi vous avez aidé, l'armée Haïti avec la police nationale pour la sécurité? Ou à quoi si vous avez construit l'hôpital pour nous? Non, c'est quand vous avez côté de l'hôpital. Parce que tout ce qui est arrivé en Haïti, l'insécurité, c'est d'abord la principale cause, là, c'est l'insécurité sociale, là, oui, c'est la misère, oui. C'est la corruption qui est dans le pays et qui est institutionnalisée, qui est une misère extrême, qui fait que nous n'avons pas de choix, non? Oui. Quand on a parlé pour nous combattre, pour nous neutraliser, il faut neutraliser. Il faut que nous combattions. Parce que aucun État va briser. Vivre côté de l'église, c'est la tranquillité publique. Mais aussi, il faut que nous arrêtions de l'État à cravate ça. Voler ça dans les bureaux. Voler ça pour l'État comme ils sont bâchés à l'État. Il faut que nous marions. Il faut que les Haïtiens marions et mettent hors de la lumière. Nous comprenons ça. Parce que c'est eux qui ont produit tout le problème qui est dans le pays. Oui. Mais on va jamais d'accord comme dans Haïti pour ne pas répondre à ce traitement. Ils sont un problème, ils sont un danger de sécurité intérieure. Moi, je suis dans une équipe illégale, illégitime, usurpateur, volé, mais oppressant. Nous comprenons ça. Moïse, non, mais vous. Et puis, vous avez dit, ils sont en sécurité. Qui ça me fait? Vous pouvez me payer pour moi, mes amis. Vous pouvez me payer pour moi, mes amis. Vous pouvez me dire, vous pouvez me payer. Vous pouvez me trou, vous pouvez me payer. Problème de sécurité à Gabriel Sud. Tout le monde qui est obligé de quitter le caillou, je vais amener le caillou. Tout le monde qui veut vaquer à l'obligation, je vais faire vaquer. Ok, ou dit ou qu'a fait ça. Mais Guy, on a pas le vin sous façon qu'on a fait ça. Mais avant, ben moi, réaction, jeudi, hein, Conseil de sécurité a réuni à 4 pour le voter et sous proposition ça que États-Unis a fait pour voter en force en Haïti avec à la tête le pays Kenya. Quelle réaction sous ça? Vous pensez que vote l'a passé? Bon, le bagage international, c'est un bagage, parce que tout ce bagage intérêt, c'est pas bagage Haïti qui a défendu. C'est intérêt gros pays, gros messieurs, gros sec messieurs dirigeants, les mondes, c'est pour le décider. Quand il y a un cas de jour, est-ce que je pense que si on l'a, si on l'a, si ça, qui a aidé les pays, moi je pense que on l'a, qu'on l'a, ça va aider Haïti dans rien. Je pense que tout autant, nous pas craser. Base, l'État ça, l'État craser sous ça, l'État qui a craser pays ça. Si nous pas craser base ça, si nous pas faire décentralisation avec une réalité, si nous pas faire monde qui en province sur malheureux, qui a vécu bien, si nous pas faire mettre l'école pour tout le monde, aller à l'école, organiser l'école, si nous pas faire des soins de santé, si j'ai un gars qui n'a pas qu'à manger, n'a pas qu'il y a des problèmes. L'ONU qui a vu là, il y a des problèmes pour un an, pour deux ans. Quand on vit des problèmes, il y a des problèmes. Haïti a tombé dans tout le mal.
Est-ce que nous allons ouvrir mon pays? Ou bien est-ce que nous allons chiter à nous mettre base pour nous faire un pays sérieux, pour nous avancer vers le développement? Moi, je suis allé à Haïti bien à tout pays. Je ne suis pas là, je ne suis pas contre les États-Unis. Je suis anti-américain, je suis anti-chinois, je suis anti-russe. C'est ça, moi, je m'a parlé pour le peuple. Je suis allé à Haïti. L'univers côté que des salines dérivées de l'univers. Je suis allé à Haïti, puis bon. Côté monde pas content. Est-ce qu'on connaît misère en paysan parti dans la ville? Levé 2-3 heures du matin pour aller dans Nibot, pour aller dans Sisley, pour aller dans Avanjou, pour aller dans Bagay, faire éducation petite, vendre tout ça au gain. Après, vous petit à obligé de tourner la carrière sous responsabilité. Et vous êtes là, vous êtes obligé à aller dans le parce que l'État pays vous empêche d'avancer. Corruption empêche que vous avez espoir. Nous comprenons ça. Vous pensez, bonjour, Haïti a besoin de vous. Guy Philippe, nous parlons pas mando et opinion sous question canal dans tout entre République d'Haïti et République Dominicaine. On va suivre l'actualité. À qui position sous question ça rapidement? On va trouver ce manque de respect. Le fait de ne pas aller de ça. On va trouver Dominicaine aucune explication. Je vais faire ce territoire. Car il m'a demandé à ici. Moi, je regrette que nous avons l'état sérieux. Nous avons l'équipe qui a pensé. On fait un canal. C'est pour nous faire 15 canals. Si on dit 11, on a fait 15. Et qui est-ce qui prévient pour mon abdimisme d'abdimisme la caille à cause de nous? Bien que je pense que le peuple haïtien, le peuple dominicain, il faut nous vivre en côté pour nous attendre. Nous ne sommes pas en bataille une autre. Haïti, la République dominicaine, c'est 24 minutes. Vous avez 1 minute remaining pour this call. Oui, nous avons suivi Léa. Nous avons besoin de grosses forces économiques dans le Caraïbe. Il faut que nous attendions. Les politiciens dominicains, chaque fois qu'il y a une élection, ils proposent un petit haïtien. Ils ne parlent même pas de l'histoire. Il faut que nous ne rentrer dans la logique. Nous avons défendu les délais, nous, pendant que nous pensons que l'amitié avec le peuple dominicain est importante. Nous pensons que ça n'a pas assez pour nous continuer à faire. Nous espérons que l'État a investi et a aidé le peuple pour continuer à faire. Et nous pensons qu'il va faire seulement dans la zone, il va faire dans toute zone pour nous rester une table irriguée, tout côté, toute tête table irriguée pour nous produire plus, pour des productions nationales. Par exemple, bon travail pour nous qui fermer les frontières, nous apprenons à produire la caille, nous. Nous apprenons à faire affaire, nous avons fait, nous avons fait pour faire. Bon point, je voulais prendre avec vous, rapidement. Actuellement, là, on peut-être en actualité que nous pouvons confirmer. Il semblerait que le ministre de justice actuel en Haïti a fait des marches pour râler dossier et bon, dossier que tu as gagné sous vous dans affaire au CAI, implication non dossier au CAI. Qui j'en répond à une question ça? Parce que vous apprenez en Haïti, vous voulez entrer en Haïti, et il semble que sous entrer en Haïti, est-ce que si vous avez disposition pour arrêter ou mettre en prison en Haïti, qui j'en réagir avec ça? Parce que vous avez des marches qui ont fait pour ça. Bon, oui, nous avons déjà et que le ministre de la Justice là. Parce que je ne connais pas la loi. Que mon mandat d'amener contre moi, je réponds à mon mandat d'amener. Donc, je n'ai aucun mandat contre moi. Par exemple, je dis bon, dans le dossier au cas là, fais enquête. Il y a des gens qui sont dossiers, il y a des juges qui sont dossiers. Même nom va citer. Même foi. Si on sort le monde, on dit que c'est un homme parce que vous changez les bagages dans la police, qu'est-ce qu'ils font? C'est Guy Philippe, c'est Guy Philippe. Non, Guy Philippe. Et puis, il y a un mandat contre moi, mon nom mourit. Mais côté policier en Haïti, qui n'a pas de CPJ, pourquoi ça va arrêter les policiers qui ont questionné mon ça? Comment vous avez dit que vous avez un témoin aussi important pour qu'on lui amène à l'hôpital pour un soin, ou torturer ou bagarrer jusqu'à ce que le monde et qu'on n'aura aucun témoin? Toute ça, c'est une captation politique. C'est juste même privé, qui a fait tout le monde à les policiers qui ont dans soi-disant des CPJ. Mais pas aucun mandat pour moi. Nous n'avons tout pas bien. Pas de papier légal et bagarre dans n'importe juridiction. Ok, j'ai casé judiciairement, mais j'ai tout bagarre prouvé que je n'ai pas créé un dossier fini, même non pas fini dans le dossier. Donc, bien entendu, vous connaissez, vous kidnappez sous base dossier ça. Pas oublier, les DCPJ kidnappent avec l'ambassade américaine en 2017, vous avez dit que c'est pour mandat que vous avez gagné dans le bagarre au CAI, qu'on y a eu honte, qu'on y a eu qu'on est venu, qu'on y a eu qu'on aime montrer que vous n'avez pas de mandat, que vous n'avez pas de mandat. Tout ça, c'est nad. Ma rentrée. Ok. Et d'accord. Ou apprendre, ou apprendre, libé dans le pays, et ou continuer à vaquer l'occupation, ou apprendre activité politique ou normal. Je parle depuis le gars, il s'en dit, et ça, on va essayer de faire mon paix. Ma rentrée. L'entre en Haïti, activité politique, ou apprendre normalement, Guy Philippe? Ça, mais bien entendu. Je ne vais pas faire politique, non? Qui vient qui va faire politique? Vous pensez que vous êtes sur la tête qui a fait ça?
Très bien. Et évidemment, ou passez tout le temps mandat sénateur de York, je veux dire, ou après tourner, ou après entrer dans la vie politique, ou après poser candidature normalement, son politicien qui a entré en full force dans la politique haïtienne. Oui, ma vie, bon, ma vie, c'est pas plus candidat intéressé, c'est pas plus élection intéressé, sinon que qui j'ai pour nous retirer Haïti dans le misère que nous avons là. Qui j'ai pour nous travailler, pour nous reformer le pays, ça, pour nous craser le système, craser le souci. On a fait l'élection 100 000 fois. Si nous mettons le président avec nous, dans le même système, là, il y a bon encore. Si le système là, pour changer, il faut que nous changions le système là. Quand on entre la première, ça va faire son tournée nationale, je ne vais pas la dire, je vais aller de tous côtés. Il y a plus de côtés, je ne vais pas la dire. Pour nous connaître, est-ce qu'on veut faire Haïti ou bien est-ce qu'on va faire Haïti? Parce que c'est un pays qui a des sacrifices. Est-ce que le peuple a pris pour faire sacrifice? Oui, l'homme sacrifice, c'est pas tout, il y a mon bain, non? Mais ça, c'est sacrifice. Les gars viennent boire 1000 gouttes pour vendre ou vendre moi, consensus, il faut dire non. Les gars du Will contrôler. Par exemple, tout là, oui, et pour le principe, j'aime qu'il y ait des manifestations propres. Parce que les gars contrôlés, par exemple, syndicats chauffeurs, puis dans les privés. Des bruits du bois, vous m'avez dit, l'argent l'a dit. On ne peut pas faire un peuple en assurant ça. On ne peut pas faire un pays comme ça. Il faut que le peuple a fait sacrifice. Il faut qu'il connaisse que oui, misère, oui, bagaille. Mais parfois, il faut dire non. Il faut que le peuple ait l'argent dans les négociations. Et l'argent pas pour les négociations. Et pour faire ce qu'il faut faire. Bataille pour payer, pour petit tout. Qui papa sérieux, qui maman sérieux, qui a regardé petit qui a mouru grand groupe à côté. Qui est-ce qui est sérieux pour regarder maman qui a cordé en bas la misère. Il a fait tout sacrifice pour faire éducation. Qui est-ce de monde qui a accepté de vivre dans la condition que Haïti a vivre là? Nous comprenons ça. Malgré l'insécurité à Guy Philippe, malgré bandits, malgré gens qu'on est en gang en Haïti, presque zone métropolitaine envahie par gang. Moi, je dis que c'est parce que pas de volonté politique pour la sécurité que c'est pas de sécurité. Je te dis que pour nous mener un côté, pour accueillir l'ONU, pour dire que c'est l'ONU pour venir, pour l'ONU qui a rentré, parce que je vois que ces derniers temps, excusez-moi, ces derniers temps, le peuple haïtien a commencé à être. Il y a ces derniers temps, le peuple haïtien a mobilisé. Il n'y a pas à ça arriver depuis longtemps, il y a besoin pour l'ONU pour venir sécuriser l'intérêt oligarchien et l'intérêt de la zone. C'est ça, toute mission l'ONU, c'est ça qu'on fait dans le monde. Venir sécuriser l'intérêt oligarchie et classe dominante. Le peuple pas besoin d'en aller là-dedans. Le peuple haïtien a commencé à être. Le peuple haïtien a été. Avec ou sans l'ONU, nous croyons que le peuple haïtien a campé pour réclamer changement, pour exiger changement, pour faire changement. D'accord. Mando, sous ta grand message, sous tes cas parler par exemple avec le ministre Ariel Henry et officiel qui a la tête pays en un moment, qui soit à dire? Message, c'est pour le peuple haïtien. Pour le monde qui a entendu, qui a compris. Je ne vais pas faire un message pour le monde qui a même compris. C'est peut-être moi qui m'a dit que prends courage. Nous prenons frat, nous tombons, nous la misère. Je comprends pour que nous sommes dans la là. Non, je n'ai pas sorti. Je vais quoi? Quoi dans des salines, quoi dans l'air des salines, quoi dans Haïti? Pas découragé. N'a pas joué une route. Nous avons garanti, Valérie, n'a pas joué une route. Je me sens que le peuple n'a pas l'ange. Le peuple a compris. Même force, même bagaille qui réunit le peuple autour de sa capacité là maintenant. Si même force ça, même l'amour pays, même respect pour la souveraineté, camper le peuple, pour nous mettre fin à la corruption, pour nous mettre fin à la mauvaise gouvernance, pour nous dire nous bouquons, nous voulons pour qu'ils nous vivent bien, pour qu'ils nous vivent dans un bon pays. Je souhaite que tout courage ça, tout l'amour ça, qui nous a mis dans ce canal là, nous transférons dans tout secteur, dans tout côté de pays, pour nous recommander qu'à libérer Haïti, et à libérer Haïti, nous qu'à faire. Ça des plus grosses forces que le peuple n'a fait. D'accord, Guy Philippe. C'était message. Ça, et certainement, ou anxieux, ou voulez retourner la caille, ou madame, ou petit tout, famille, et famille par quelque temps. Et nous pensons que l'aspect personnel, ça, c'est important pour vous. Pardon? Non, me dit que l'aspect personnel, ça, c'est important pour vous tout. Ou voulez sortir quand même, ou voulez quand même aller, ou aller, famille, ou madame, ou à tout petit tout, qui par depuis quelques années. Bon, il y a pas même. Comment j'ai attiré. Petit pour avoir. Je ne suis toujours pas là, petit moi, toujours proche moi. Et je suis content, je remercie bon Dieu et pour tout le monde. Donc, petit moi, je suis toujours avec. Je connais l'amour pour Haïti, je connais l'amour pour le peuple. Je respecte ça et je suis toujours accompagné. D'accord. Il y a des gens qui ont attendu à ce que Guy Philippe entre en Haïti en triomphateur, on fout le monde à l'accueil dans l'aéroport, monde tout partout après l'amour. Mais Guy Philippe, vous pensez que c'est ça qu'a fait? Pardon?
Donc, il y a des gens qui appartiennent à ce que il y a un full moon qui l'accueille au aéroport et le rapatrier et quantité de monde prend la rue pour recevoir en Haïti. Si tu peux venir nous recevoir, je suis trop content, non seulement pour descendre les portes, mais pour marcher avec eux. Pour marcher avec eux dans la capitale, là, pour montrer que la capitale, c'est la capitale, non lié. Nous ne pouvons pas faire back pour gang. Nous ne pouvons pas faire back pour oui. Parce que là, nous disons gang, non. Pas quoi que c'est gang qui nous a parlé seulement, non. C'est gang à cravature, c'est au pied d'un joueur. Gang qui est au bureau, gang qui a pris la décision, gang qui fait la police dans le travail, gang qui va avoir l'armée d'Haïti. Gang qui va avec le peuple de la sécurité, gang qui va avec. N'a pas venu, il n'a pas toujours parlé de vérité. Nous-mêmes, nous avons respecté la démocratie, pas parce que nous avons respecté les vies de la n'a pas respecté la loi, mais pas de monde qui a fait ne pas parler, et pas de monde qui a fait ne dit, pas dit vérité. N'a pas toujours dit vérité, depuis que nous avons vérité. D'accord. Guy Philippe, nous avons un gros merci, merci en pile, parce que vous avez nous plusieurs fois à chaque fois que l'appel est tombé, vraiment, nous apprécions ça. Merci, je vais voir que vous avez un gros merci. Pas de problème, on a dit tout. Moi ouvert moi libre n'importe journaliste qui veut parler avec moi presse m'a pas la petite monde d'accord chef m'a pas net